Sono Anel, vengo dell'Algeria. Vi presento un piatto tipico del mio paese che si chiama Mhajeb. Possiamo chiamarlo in italiano pizza algerina. Si affettano le cipolle e si fanno soffriggere con un po' di sale in una padella con olio a fuoco medio fino a quando diventano dorate. Si aggiungono i pomodori, un po' di sale e pepe e si lascia cuocere ancora per circa un quarto d'ora, mescolando di tanto in tanto. Si lascia poi raffreddare. Nel frattempo si mette la semola in una scodella e si aggiungono il sale e l'acqua quanto basta. Si impasta bene con le mani e, se necessario, si può versare ancora un po' d'acqua. La pasta va lavorata fino a quando diventa morbida. Infine si aggiunge un po' d'olio e si divide la pasta in palline da mettere su un vassoio cosparso d'olio. Si stendono poi le palline una alla volta ungendole con altro olio. Si riempiono con il ripieno e si chiudono a fazzoletto. Si cuociono in una padella con un filo d'olio fino a quando diventano dorate. Buon appetito! Allons manger la Mhajeb. Ok, donc c'est pas du régime ce matin, on continue quand même. Alors je vous dis, c'est quand même un peu gras cette petite pâte feuilletée là. Alors vous me dites, c'est pas si gras que ça. C'est pas si gras que ça déjà, parce que Sophie, je vais utiliser de l'huile d'olive et cette huile d'olive elle va m'aider juste à étaler la pâte parce que voilà, on la veut très fine cette Donc c'est une pâte-là. pâte feuilletée? Non, c'est pas une pâte feuilletée, c'est une pâte à base de semoule, Ouais. très fine, de la farine, du Ouais. sel, de l'eau. Pour amasser ça, on obtient une pâte ferme. On va la laisser reposer, Ouais. vraiment reposer, parce que plus on la laisse reposer, plus on pourra travailler facilement, parce que Ouais. voilà, le gluten aura fait son effet et on aura une pâte élastique. Et là, on va l'étaler, on va la caresser cette pâte, on va l'étaler Elle finement. passe sa vie à tout caresser à l'huile Ah oui, d'olive, les grains de semoule, regarde, la je me pâte. fais une manicure à l'huile d'olive. Ouais, je vois, mais ça, vous devez avoir les mains très douces, en gros. Il paraît. Il paraît. Alors, on étape, on étale et on caresse. Isabelle, vous devez rien manger, vous tellement vous êtes mince. C'est Si, Sylvie qui vous je fatigue, mange. hein? Oui, c'est ça, c'est surtout le brûle des calories. Donc, et pour la farce, et si je prépare avec la farce la plus simple, avec des oignons, des tomates Oui, et parce un peu de poivron. On peut la choisir à plein de farces différentes. Ah oui, je la revisite même avec une farce de nems, avec, Ah ouais. avec des champignons, des champignons sèches, du soja, de la vermicelle. Bon, Non, c'est pas si gras. super bon. Ouais. C'est moelleux. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Ah bon. Donc regardez, là, la pâte, elle a pas assez reposé. Je vais la plier. En fait, une petite astuce pour avoir un repère, c'est de couper des petits carrés en papier cuisson. Comme ça, on va plier en fonction des bords de ce carré-là. D'accord. Là, j'ai plié le bord supérieur, j'ai plié le bord inférieur. Donc, comment vous l'appelez, votre petite mixture là? C'est une chétchouka? Chétchouka, exactement. Chétchouka. Chétchouka. Donc là-dedans, il y a des oignons, des tomates, c'est comme une ratatouille. Avec beaucoup d'oignons finalement. Avec beaucoup d'oignons, exactement. Des Alors, tomates, j'ai mis du poivron. Ouais. Donc voilà, j'ai Donc mis ça, ma c'est pas farce. si gras que ça. C'est pas si gras que ça. Depuis le début des semaines, elle peut me dire c'est pas si gras que ça. Hein. Bah non. C'est juste de l'huile d'olive, c'est caressé à l'huile d'olive, mais on c'est peut pas pas. si gras que ça. Bah non, on peut pas cuisiner Bah, sans gras. bah, bien sûr. Donc, Parce que le goût, le goût, donc il est dans dans notre regard, c'est pas si gras que ça. Non, Hein. c'est pas si gras que Bon. ça. Donc, Mais sinon, vous après, la trouvez comment? elle est très bonne. Et puis franchement, vous savez quoi? C'est pas si gras que ça. Finalement. Non. Alors. Donc Non ça cuit dans la poêle. mais imaginez, j'ai pris une boule, j'ai badigeonné mes mains avec de l'huile Oui. d'olive. Donc j'ai l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive pour étaler C'est cette pas énorme. pâte-là. Bah non. Donc c'est pas énorme. C'est En très termes bon de pour les quantité, neurones. c'est pas énorme. Ouais, Non. ouais. Donc voilà. Voilà. Bon. C'est tout? Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Bon, et alors donc on achète ça dans la rue, Oui, ça se mange comme exactement. ça dans un petit En papier fait, d'aluminium, mais c'est un repas. C'est une sorte de petit encas. Ouais. Quand on a un peu faim, on se D'accord. balade dans Ouais, la donc rue, on a un plusieurs. peu faim, on achète ça et on déguste ça Bon, entre et amis, demain, vous en faites famille. quoi alors? Demain, on finit avec une mode sucrée. Donc, ça sera un thé gourmand avec des makrout, des mini verrines de mhalbi, une crème de riz et des mini kefta. C'est pas la kefta à la viande hachée, c'est une kefta à base, une gourmandise à Eh base de ben, pâte d'amande. ce sera pas grave. Non. Non, non. Bon, très bien.
venu nous voir. C'était sympa de vous déplacer en direct le matin. On vous retrouve sur la scène du théâtre des variétés à 20h.